Vous allez bien, vous allez bien. Voilà, c'est un autre lundi. Nous sommes presque à la fin du mois d'août. Alors, bonnes vacances pour ceux qui, parmi vous, étiez en vacances. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est McCain, ex-candidat aux élections présidentielles, rescapé de la guerre de Vietnam, est mort. C'est très intéressant puisqu'il était dans le même camp que Trump, républicain. Alors, dernier coup qui est donné à Trump avant de mourir, c'était quoi? C'était une petite critique, on peut dire, vers Trump, comme quoi Trump, il a ramené la haine et la violence, et il encourage ça dans notre pays. C'est comme ce qu'il a dit McCain avant de quitter ce monde. McCain, il a demandé de ne plus être soigné comme François Mitterrand. Les deux personnages ne sont pas comparables, bien sûr. Mais François Mitterrand aussi, il a arrêté à prendre ses médicaments et il nous a quittés. McCain, la même chose. Et voilà. Mais de l'autre côté, c'est la guerre interne au Vatican. C'est ça qui est très important au Vatican, la guerre interne. Le camp qui est contre le pape François sont actives. Dernière déclaration qu'on a fait contre lui de l'intérieur de Vatican, c'est unique dans l'histoire. Et question, c'est quoi? C'est pédophilie. Et voilà, comme vous le savez. De toute façon, cette question, homosexualité, actuellement, c'est une question qui est traitée à droite, à gauche, partout. Mais il y a certains points, certaines questions que même moi-même, je n'ai pas pu trouver des réponses. Ce que on dit, l'âge d'être majeur, adulte, pour choisir énormément de choses, c'est par exemple 18 ans, ou de temps en temps 16 ans pour certaines choses. Mais être homosexuel, j'ai pas bien compris, si vous pouvez me donner des explications, comment ça marche, c'est-à-dire un enfant, s'il a dit qu'il n'aime pas les filles, il est homosexuel tout de suite, ça j'en sais pas, je suis pas au courant, voilà. Je suis franc avec vous, je dis que ça je ne comprends pas, si vous le comprenez, comment ça marche,
pour tiquer les jeunes homosexuels, à partir de quel âge, des limites, il y en a des limites ou non, être adulte ou adolescent ou enfant. Ça jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de recherche, je connais pas. Voilà, David Abbasi ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Voilà, vous voyez, je suis franc, je vous dis. Mais par contre, si vous connaissez, si vous savez, vous pouvez nous en parler. Et de l'autre côté, président Macron, il a fait une faveur assez importante pour les chasseurs. 1 300 000 personnes concernent. C'est-à-dire, en France, il y a 1 300 000 chasseurs. Cotisation pour le permis, c'était 400 euros par an. C'est baissé à moitié. Baissé à moitié, c'est 200 euros à partir de maintenant. Donc ça, c'est 200 euros cadeau pour les chasseurs. Est-ce que c'est un coût médiatique et c'est un coup politique pour attirer les chasseurs vers président Macron, oui ou non? Ce sont des sujets que vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20. Voilà, au 08 92 23 95 20, on va prendre Farid tout de suite. Bonsoir Farid. Bonsoir David, comment vas-tu? Ça va et toi? Oh, moyen, moyen. En tout cas, je suis content de t'avoir au téléphone. Je viens de prendre l'émission en cours là. Je viens de t'entendre dire que Macron a baissé la cotisation pour les chasseurs. Alors, qu'il baisse la cotisation pour les chasseurs, est-ce que c'est quelque chose de très important? Puisque déjà, pour aller à la chasse, il faut avoir des moyens. Donc, c'est bien la politique des riches, la politique pour les riches qui fait quoi. Le mec qui va à la chasse, c'est un loisir, bien entendu. Je suis pas contre, hein. Mais en même temps, le pauvre malheureux, lui qui est au chômage ou un truc comme ça, lui, on lui dit, il faut faire des économies parce que tu nous coûtes cher. Le chasseur, lui, est-ce que c'est important de chasser? Est-ce qu'il peut se passer de chasser? Par contre, le chômeur, lui, il peut pas se passer de manger et puis de se loger. Donc moi, je trouve que Macron, c'est vraiment la politique pour les riches. Et la politique politicienne, c'est pas la politique au sens noble. Il travaille pas pour le bien de tous, mais pour le bien de minorités les plus riches. Je sais pas ce que tu en penses, toi, David. Allô? Oui, oui, Farid. Allô? Ouais, mais moi je trouve que Macron, là, il signe. Bon, il y avait un doute au départ, il fallait quand même le laisser commencer. Mais on s'aperçoit que toutes les mesures qu'il prend, c'est des mesures pour favoriser les plus riches. Donc, je pense pas qu'avec un président comme ça,
Que la majorité du peuple soit heureux, quoi. C'est pas possible. Je crois pas. Moi, je pense que il aurait fallu voter quelqu'un d'autre. Maintenant, il est là. Hein. Et j'espère qu'il va finir son mandat, puis qu'il ne repassera pas au deuxième mandat, qu'il y aura quelqu'un de gauche, mais de la vraie gauche, hein, pas les socialistes. Mélenchon, par exemple, ou même un autre que j'aime bien, moi, c'est Asselineau. Asselineau, il a l'air très sympathique, c'est un gaulliste. Comme De Gaulle était un homme, personne n'est parfait, bien entendu. La politique, c'est pas simple, il suffit pas de dire il faut que, il y a qu'un. Mais en même temps, il y a une philosophie où on travaille pour un peuple, pour son peuple, sa nation, ce qui n'exclut pas le fait de commercer avec d'autres, puis de faire des business quand même, parce que c'est la vie. L'argent, c'est pas sale. C'est utile, c'est des moyens d'échange, mais il faut qu'il y ait une moralité derrière. Et De Gaulle l'avait. Et Macron, et puis tous ceux qui sont là depuis pas mal d'années, qui sont passés, ont toujours travaillé pour une minorité qui sont les plus nantis, les plus riches. Moi, je trouve qu'il serait temps, pour la prochaine fois, de voter pour quelqu'un de vrai, de gauche, mais de la vraie gauche. Hein. Ils ne sont pas pour le mondialisme. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, David. Alors, tu sais, Farid, que le mois de septembre, ça s'approche. Le mois de septembre, il y a l'histoire de 11 septembre, mais il y a l'histoire de 9 septembre aussi. C'est l'assassinat de commandant Massoud. Tu connaissais commandant Massoud? Commandant Massoud. Ça n'a rien à voir avec Macron, ça. Ouais, c'est autre chose, mais on va parler un peu de commandant Massoud ce soir. Pourquoi? Puisque déjà, samedi 9, c'est l'anniversaire, c'est le 17e anniversaire de la disparition, de l'assassinat de commandant Massoud. Il y aura une grande manifestation à Paris, place Trocadéro. Et de l'autre côté, j'ai le plaisir de recevoir ce soir un ami proche du mouvement et d'idées de commandant Massoud. Il s'appelait Ahmad Shah Massoud, mais mon invité de ce soir, il s'appelle Ahmad Shah Farid. Ahmad Shah Farid est un des proches de Mehrabuddin Mastan également, l'ex-ambassadeur de l'Afghanistan, qui était notre invité plusieurs fois à l'époque. Tu nous as écouté à l'époque, Farid. Oui, mon frère. Monsieur Mastan. Mais moi, Massoud, je ne le connais que de nom. Si tu veux, je ne connaissais pas il y a 17 ans, je ne connaissais pas sa politique. Je ne m'intéressais pas beaucoup. Ah, tu ne le connaissais pas à l'époque. Oui, c'était. Ouais. Alors ce soir. Je rentrais du boulot, j'étais fatigué. Ouais. Je n'avais pas le temps de m'instruire. Maintenant que j'ai le temps, je m'instruis, mais bon, j'ai quand même des lacunes. J'ai perdu pas mal d'informations de l'époque. De Massoud, je ne sais pas ce qu'il faisait, ce qu'il proposait. Sa politique, sa philosophie, je ne sais pas. Donc je ne peux pas en parler. De nom, oui, ça me dit quelque chose. Je sais qu'il a été assassiné. Mais sa politique, je ne la connaissais pas. Alors, tu vas apprendre des choses en restant avec nous. Et je vais accueillir M. Ahmad Shah Farid. Ahmad Shah Farid, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Très bien. Et vous? Très bien, très bien. Alors, commandant Massoud, c'est vrai que nous, on dit Ahmad Shah Massoud, mais il est connu en France au nom de commandant Massoud. J'avais eu le plaisir de l'avoir sur cette antenne lui-même de Panjshir, et grâce à M. Mehrabuddin Mastan, et même Mehrabuddin Mastan et l'équipe, plusieurs fois, ils étaient notre invités ici à Paris sur cette fréquence. Beaucoup des amis afghans à l'époque du Taliban, on était ravis de les recevoir, mais malheureusement, le commandant Massoud, qui est né le 12 septembre 1953, il était assassiné au mois de septembre. Mais 9 septembre 2001, l'assassinat de Massoud, deux jours après, on a l'histoire de deux tueurs jumelles à New York, a changé beaucoup de choses dans le monde. Déjà, M. Ahmad Shah Farid, est-ce que pourquoi nous avons arrêté de poursuivre des dossiers assassinants de commandant Massoud? C'est-à-dire, il y avait des enquêtes, il y avait des recherches, mais après tout ça, ça s'est arrêté. Comme première question, pourquoi ça?
tout d'abord, merci beaucoup et bonsoir à tous les amis, camarades, combattants qui me prient. Sur le dossier de Commando Massoud, lorsque j'étais en Afghanistan, j'avais demandé de mes amis journalistes. Au final, j'ai trouvé un des documents. Il y avait trois pays, l'Arabie Saoudite, l'Émirat et le Pakistan n'étaient jamais d'accord que le dossier de Commando Massoud s'accélère ou les polices internationales commencent l'enquête. C'était la seule raison pour laquelle le dossier s'arrêtait. Très intéressant, puisque à l'époque, vous aviez 16 ans, n'est-ce pas? Non, exactement. À l'époque de l'assassinat, vous aviez que 16 ans. 16 ans, exactement. Et son fils, il avait quoi? Il avait 10 ans, le fils de commandant Massoud. Il a eu 12 ans. Il est où actuellement? Actuellement, il est en Afghanistan, on est parfois en contact, mais comme il est souvent pas dans la disponibilité, donc il a plein de choses à faire, mais il est actuellement en Afghanistan et bientôt, peut-être qu'il serait à Paris, comme il nous a dit. C'est-à-dire, je sais que vous organisez une grande manifestation pour le 17e anniversaire de l'assassinat du commandant Massoud, pas ce samedi-là, mais l'autre samedi, sur le parvis de la Tour Eiffel, au Trocadéro, n'est-ce pas? Et il y aurait beaucoup de personnalités, comme son frère, qui va être présent. Exactement. C'est le 9 septembre, et ça sera le dimanche, je crois, le dimanche. Précisément de 13h jusqu'à 18h30, on sera à la place de Trocadéro devant la tour Eiffel. Nous allons organiser un rassemblement, commémoration du commandant Massoud. Il y aura à côté aussi une manifestation contre les idées le talibanisme et contre les talibans. Il y a certaines propositions sur lesquelles nous allons discuter aussi. Alors, vous avez précisé quelque chose de très important juste au départ, M. Ahmad Shah Farid. Ce que trois pays il était dans le coup de l'assassinat, Arabie Saoudite, Émirats et le Pakistan. Alors, le trois c'est le même, puisque le cerveau c'est le cerveau c'est Arabie Saoudite. Alors, nous savons très très bien qu'il y avait une guerre depuis toujours dans plusieurs clans, plusieurs pays pour gérer le monde musulman. Et d'un côté, Taliban qui était proche de l'Arabie Saoudite, même Ahmad Shah Massoud qui était indépendant, n'est-ce pas? Et le mouvement de Ahmad Shah Massoud, même quand il a travaillé avec Rabbani, c'était un mouvement mujahidine indépendant, aucun lien avec d'autres pays. Exact. C'est une des raisons pour laquelle je suis avec l'idée de commandant Massoud. Il y a certains des amis, parfois, ils me définissent comme un massoudiste. Oui, je suis d'accord avec vous. C'était en 2005, je crois, que je suis allé une fois chez Maréchal Fahim. Maréchal Fahim était le chef militaire à l'époque de résistance dans le nord d'Afghanistan. Je suis allé chez le Maréchal Fahim et je lui ai demandé pourquoi vous ne voulez pas une enquête internationale pour l'assassinat du commandant Massoud. Mais je n'étais pas tout seul, il y avait d'autres chefs de guerre et Maréchal Fahim nous a dit directement qu'au début, en 2001, par les policiers de la France, ils ont commencé une enquête pour le dossier du commandant Massoud, mais le Pakistan, l'Arabie Saoudite
et les Émirats, étaient en opposant. Donc, à l'époque, vous savez qu'Afghanistan était dans une situation assez précaire. Et le Pakistan était un des pays très proches avec les États-Unis. Donc, pour ces raisons, donc, le dossier s'est arrêté. Et puis, nous avons vu que Marshall Fahim, dans un des télévisions locaux en Afghanistan, il avait dit la même chose qu'il nous avait dit dans une réunion avec des autres personnels que j'avais dit tout à l'heure. Très intéressant. Surtout que l'assassinat du commandant Massoud s'était fait par deux personnes, de l'individu qui était d'origine du nord d'Afrique. Et surtout, la carte de journalisme a été préparée pour ces gens-là, qui était falsifiée à partir de Londres. À ce sujet, là aussi, vous avez des informations à nous donner, M. Ahmad Shah Farid. Merci. Nous sommes en train de parler avec M. Ahmad Shah Farid sur l'assassinat du commandant Ahmad Shah Massoud, le grand combattant afghan, un homme de la liberté et de la pensée laïque, moi surtout que je le connaissais. Vous savez, Ahmad Shah Massoud, il pensait comme nous, mais c'est vrai qu'à l'époque, même comme aujourd'hui même, on ne pouvait pas s'exprimer et on parlait de la laïcité en Afghanistan, c'était tellement compliqué. Mais Massoud, c'était un combattant libre, indépendant et laïque qui combattait pour l'indépendance de son pays, Afghanistan. Alors nous sommes avec M. Ahmad Shah Farid, un des proches. Voilà. Et quelles sont les informations? En plus, si nos amis ils ont des questions, vous pouvez nous appeler et poser à M. Ahmad Shah Farid. Nous avons des informations, et vous avez des informations concernant l'assassinat, l'équipe qui l'a assassiné, Ahmad Shah Massoud? Aucune information concrète, mais nous avons certaines informations de la part de la police française. Lorsque j'étais en Allemagne en 2013, une fois, j'avais entendu que les polices françaises, ils ont certains prisonniers, les gens qui ont tué le commandant Massoud, ou ils ont accusé dans cette violence ou dans cet assassinat. Mais personnellement, pour mes autres amis comme Merab, que vous avez dit, ou Fahim Dashti, ou Reza Dokati, ils n'ont pas encore un document comme quoi ils montrent voilà, quel pays ou quelle personne qui on puisse accuser directement quelqu'un. Mais actuellement, on n'a aucun document qui peut préciser la tuée du commandant Massoud. Alors, si vous voulez bien, on va prendre premier appel, première question. C'est M. Abdel qui va vous poser des questions. M. Abdel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Déjà, c'est un honneur de pouvoir parler à quelqu'un qui a grandi dans la terre du commandant Massoud. On sait que ce pays est très, très puissant par les guerres qu'il a traversées et l'injustice que ce pays connaît, par différentes puissances qui ont toujours voulu se prendre pour eux. Et ma question est celle-ci. En fait, j'ai jamais cru, moi, que c'était Ben Laden, les hommes de Ben Laden qui ont tué le commandant Massoud. J'ai jamais cru à ça. Tout simplement parce que je sais que le commandant Massoud était venu à Paris pour rencontrer M. Chirac et lui demander des armes pour combattre les talibans. M. Chirac n'a jamais voulu le rencontrer et lui donner les armes pour combattre les talibans. Juste après de la mort de commandant Massoud, comme par hasard, les Américains sont venus combattre les talibans. Ma question, elle est celle-ci, monsieur. Est-ce que commandant Massoud vivant, j'essaie d'être précis, hein, est-ce que le commandant Massoud vivant, les Américains auraient pu mettre les pieds là-bas et combattre les talibans? Est-ce qu'ils les auraient laissés faire? Parce que c'est lui qui aurait dû faire cette guerre, pas les Américains. Mais je n'ai pas
tout bien compris la dernière phrase parce que je n'entends pas vraiment bien. Je vais vous répéter, Monsieur Ahmad Shah Farid. Monsieur Abdel, il vous pose la question comme quoi Ahmad Shah Massoud, s'il restait vivant, il ne laissait pas l'entrée des Américains en Afghanistan, soi-disant pour combattre contre les talibans. Voilà. Oui, exactement. J'ai tout bien compris. Tout d'abord, je viens sur la première idée que les Ben Laden ou les Al-Qaïda, ils n'ont pas accepté que, comme quoi qu'ils ont tué le Massoud. Non, ça c'est pas vrai. Mais lorsque Massoud a été tué, je parle de moment de 5 minutes en avance que les deux terroristes voulaient tuer ou exploser le bombe de caméra. Une fois, j'ai vu avec Monsieur Khalili, le grand poète d'Afghanistan, qu'il était à côté du commandant Massoud, qu'il traduisait la langue de terroristes, qu'au début, il disait qu'il parlait arabe, ou après, il ne parlait plus arabe, et puis ils ont commencé de parler anglais, et même il ne parlait plus bien anglais. Bon, il y a eu une discussion. Monsieur Khalili m'avait dit que en avance, ils ont commencé par la menace. Ils ont posé les questions d'une façon très menaçante. Ils ont posé que pourquoi vous, commandant Massoud, vous avez dit dans le Parlement européen que les Al-Qaïda ou Ben Laden sont le vrai raison de la crise d'Afghanistan, et ils sont le cancer d'Afghanistan, ils sont le plus connu terroriste en Afghanistan. Regardez comme ils ont commencé par ces phrases, mais puis il y a eu une bombe qui s'est explosée. Mais par cette phrase, on arrive à cette conclusion que Massoud a été tué par le Ben Laden ou par des terroristes qui ont eu une liaison assez forte avec le Ben Laden ou avec l'autre madaris coranique à Londres ou au Pakistan. Ça, c'est quelque chose que nous avons concrètement. Puis, bien sûr, si Massoud était vivant, il n'était pas d'accord avec les soldats internationaux, ni français, ni américains et ni d'autres pays. Vous savez qu'en Europe, lorsque Massoud était venu dans le Parlement européen, un des journalistes lui a demandé « Est-ce que vous serez d'accord pour les soldats internationaux en Afghanistan ?» Mais Massoud, il avait dit clairement que non. Mais si vous voulez que les terroristes soient effacés ou supprimés de l'Afghanistan, arrêtez le soutien économique du Pakistan et amener la pression politique sur le Pakistan parce que les talibans soutiennent par le Pakistan. Sinon, les ethnies pashtounes et le peuple du Kandahar sont capables de faire la guerre contre les talibans. Et les talibans, si le taliban ne soutenait pas par le Pakistan et par l'Arabie saoudite, il n'y avait eu pas d'autre raison que commandant Massoud ne pouvait plus continuer la guerre ou occuper d'autres provinces qui étaient sous le contrôle des talibans. Bien sûr que Massoud, s'il était vivant, il n'était jamais d'accord pour la présence de soldats étrangers en Afghanistan. Et après, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que nous avons des documents comme quoi ils montrent que les Américains étaient d'accord ou les Américains qui ont pu accuser les Américains pour l'assassinat du commandant Massoud? Non. Bien sûr que par là, dans cette question, nous pouvons accuser les Américains abstraitement, mais concrètement, nous n'avons pas des documents. Et à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit de la part de Maréchal Fahim, le vice-président du commandant Massoud, il avait dit qu'il y a eu trois pays qui n'étaient pas d'accord pour enquête sur le dossier du commandant Massoud. Il n'avait pas dit que les Américains ou les Européens n'étaient pas d'accord. Il nous en a dit l'Arabie saoudite, l'Émirat et le Pakistan.
Et Monsieur Abdel, pour votre information également, vous savez que Général Fahim, moi, vous dites Marshall, moi, je le disais toujours Général Fahim, que je le connaissais bien, c'était le premier ministre de la Défense de Karzai, après un proche de commandant Massoud, qui lui-même, il était presque assassiné, il est mort suite à une maladie douteuse, n'est-ce pas, monsieur Ahmad Shah Farid? Oui, moi, je ne peux pas croire qu'il était, mort dans une maladie ou par un mort naturel. Moi, je crois plutôt parce qu'il a menacé quelques espions qui ont descendu par les Américains en Afghanistan, et quelques jours après, il était mort. Donc, quelqu'un comme moi, que je suis toujours dans la politique d'Afghanistan, ne peut pas facilement croire qu'il est mort dans une maladie normale. C'est aussi mon idée, j'avais dit à l'époque même, puisque je le connaissais, le général Fahim, il est en pleine santé, c'est un... Alors, M. Abdel, d'autres questions, là, M. Ahmad Shah Farid? Oui, alors, M. Ahmed, pensez-vous pas que, et beaucoup d'Afghans doivent le penser, les Américains, ça les a bien arrangés que le commandant Massoud s'est fait assassiner pour pouvoir s'introduire en Afghanistan facilement, et c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Donc ça les a bien arrangés que le commandant Massoud s'est fait assassiner. Et puis les renseignements américains sont assez puissants pour avoir su ce qui allait se passer. Parce que la menace, elle était constante envers cet homme. Mais après, M. Abdel, bien sûr que nous avons beaucoup des arguments. Il y a des théories de propagande, il y a des arguments qui peuvent être considérés un peu justes, il y a d'autres raisons, mais comme nous parlons politiquement ou sociologiquement, il faut qu'on montre des documents. Et après, comme vous avez dit, bien sûr, que je suis d'accord avec vous, comme j'ai dit tout à l'heure, que si commandant Massoud était en vivant, il n'était jamais d'accord pour la présence des soldats étrangers en Afghanistan. C'était une des raisons, peut-être, que Massoud a été tué. Et après, mais pourquoi les Américains sont venus en Afghanistan? C'était à cause d'une grande attaque des pilotes ou des avions des terroristes en New York. Mais ça, c'est des choses, ça, c'est quelque chose de très concret. Personnellement, je ne peux pas, responsablement, je ne peux pas dire ou je ne peux pas accuser les Américains qu'ils ont eu la main dans l'assassinat du commandant Massoud. Et surtout que dans l'histoire du 11 septembre, nous voyons aussi qu'une majorité des terroristes, ils venaient d'Arabie Saoudite. Et autre chose que peut-être vous êtes au courant, M. Ahmad Shah Farid, vous allez nous dire. Vous savez, Abdel et tous nos amis que vous êtes en train de nous écouter, commandant Massoud, puisqu'il était un homme de la paix, rationnel, patriote, il aimait beaucoup son pays, il faisait tout pour installer la paix dans son pays. Il était un guerrier, mais le but n'était pas la guerre. Le but de ses activités guerrières, mujahed, c'était la paix. Moi, j'ai eu le plaisir de le connaître, surtout quand il est voyagé ici au mois d'avril 2001, et quelques mois avant de son assassinat, était ici à Paris. Je veux le dire avec grande fierté que j'étais parmi les gens qui avaient des rôles assez importants pour cette invitation. Mais malheureusement, comme vous venez de dire, comme tout le monde le sait, à l'époque, Jospin, parce que Jospin était Premier ministre, Chirac était président. De toute façon, à l'époque, ils n'ont pas fait en sorte de prendre en sérieux le voyage du commandant Massoud ici à Paris pour régler le problème d'Afghanistan. Et c'était tombé dans le camp des Américains. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier que l'argent de pétrole commande
C'est l'argent de pétrole qui commande. Et l'argent de pétrole préfère que ses alliés, soit américains ou d'autres, soient en place que d'autres. Pour ça, Abdel, dans le but, vous avez raison. Mais comme M. Ahmad Shah Farid, il vient de dire, dans l'assassinat du commandant Massoud, puisqu'il y a d'autres choses que moi, je le sais, l'enquête s'était suivie, même si on avait arrêté, c'était une préparation interne des mouvements islamistes pour l'assassinat. Alors, ces mouvements islamistes, c'est vrai que les pays, les trois pays qu'il a cités, avaient un rôle décisif par rapport aux États-Unis. Mais on ne va pas blanchir les États-Unis non plus. Mais une chose qui est très importante, vous devez le savoir, je vais vous dire ce soir, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, commandant Massoud, il avait commencé pour la paix de négocier avec les talibans, et surtout avec Mollah Omar. Alors, avec Mollah Omar, personnellement, quelques jours avant de son assassinat, c'est-à-dire au début du mois de septembre, il va parler par téléphone. C'est-à-dire, on va arrêter un des membres de Taliban. Grâce à cette arrestation, on va obtenir le carnet de téléphone de cette personne. Et là-dedans, il y a le numéro de Mollah Omar. Et commandant Massoud, il va appeler Mollah Omar. Il va dire, Mollah Omar, c'était 2 et demi. Il est en train de faire la guerre. Mais il va avoir le langage, avec un langage de diplomate, de diplomatie, très gentil, très poli. Mais il va demander à Mollah Omar, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays Afghanistan, pour installer la paix, pour ne plus faire la guerre, etc. etc. Alors, Mollah Omar, au départ, premier coup de téléphone, il était un peu choqué de ce téléphone, qui sont les demi, il l'appelle. Ah, ils vont parler quelques minutes, après il dit je vous donnerai une réponse demain. Et demain matin à 9h, Massoud, il va retéléphoner à Mollah Omar, et c'est là que Mollah Omar, il prend des positions très fermes en disant que vous êtes Tadjik, vous pouvez aller libérer Tadjikistan, mais Afghanistan c'est nous. Et tous les Ouzbaks et tous les Tadjiks, on va les virer d'ici, etc., etc. C'est-à-dire, l'amitié et la paix que lui, il propose, il va être cassé comme ça. Mais en même temps, il y avait des négociations des Américains avec les Talibans dans le Golfe Persique. Ça, ce sont des choses que peut-être M. Ahmad Shah Farid, vous êtes au courant. Mais avant, je vais voir si Abdel, il a d'autres questions à vous poser, M. Abdel. Oui. Une question très importante où beaucoup de gens ignorent, et moi-même aussi, et on se pose beaucoup de questions. On nous a toujours fait croire qu'en Afghanistan, il n'y avait que des pierres et du sable. Est-ce que vous pouvez nous dire, moi j'ai toujours entendu qu'on nous a dit que c'était un pays très 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 riche en matières premières, diamants, cuivre, pétrole et d'autres matières. Est-ce que vous vous avez vécu là-bas, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce pays est-il vraiment riche en matières premières ou il n'y a rien? Je viens sur cette question, mais tout d'abord je vais expliquer quelque chose. Souvent nous parlons des États-Unis. Bien sûr que les États-Unis sont des grands pays dans le monde actuel. Première puissance économique, militaire et même politique. Donc, c'est possible que les États-Unis attaquent à n'importe où. Nous voyons au rapport d'Iran, en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, en Afghanistan, autour de la Chine, le problème avec la Russie. C'est les Américains, ou plutôt dire le gouvernement d'Amérique. Nous voyons tous. Mais lorsque nous parlons de l'Afghanistan, et il ne faut pas oublier que nous parlons du Pakistan aussi, nous parlons de la région, nous parlons de certains pays qui sont en train de développer, nous parlons du multipolaire économique et militaire et politique dans cette région. C'est la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Russie. Vous voyez que l'Afghanistan est un État dont parmi
ces pays atomiques et islamistes et idéologiques, que chaque pays a sa propre idéologie et sa propre manière de gestion du gouvernement, ou leur économique très différent l'un de l'autre. Donc, il ne faut pas, par ce prétexte ou par cet argument, on oublie les autres problèmes ou les autres défis que l'Afghanistan était en face de ces défis, comme j'ai dit tout à l'heure, le Pakistan. Le Pakistan, la population du Pakistan est en train de développer. Vous savez que dans 30 ans passés, le Pakistan a au moins 70 millions de populations qui a été rajoutées sur la population qu'il a eue. Et actuellement, nous avons 200 millions de populations. Et imaginez que dans 10 ans après et dans 20 ans après, Pakistan est un État faillite, qu'il n'y a pas de gouvernement vraiment comme les autres pays, même pas comme l'Iran. Il n'y a pas une économie assez forte, il n'y a pas l'instabilité sociale. Par ces raisons, Pakistan avait besoin pour un État comme l'Afghanistan, qu'il n'a pas d'armée, qu'il n'a pas de union nationale, qu'il n'y a pas une identité nationale, qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'il n'y a pas de système, qu'il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. Donc, Pakistan, pour favoriser et pour stabiliser dans son pays, il a besoin pour un pays en faillite, en crise, comme l'Afghanistan. Et dans ce cas, bien sûr, que, comme pour votre question, si j'ai bien compris, moi, personnellement, plutôt, je suis d'accord sur l'idée de Michael Berry, est un sociologue de l'Afghanistan, est un sociologue américain-français sur l'Afghanistan. Ils disent que la géopolitique de l'Afghanistan, ou comme Pascal Boniface, le chef de l'IRIS, qu'ils disent la géopolitique de l'Afghanistan est la seule raison pour la crise de l'Afghanistan. Parce que vous savez qu'autour de l'Afghanistan, comme j'ai dit, il y a des autres pays. Si actuellement les Américains ils ont leur base militaire en Afghanistan et par cette base militaire elle peut facilement menacer les pays d'Asie centrale, la Russie, la Chine, l'Iran et même le Pakistan. Moi bien sûr comme tous les autres qui viennent de l'Afghanistan, nous pensons parfois sur notre capital, aux richesses que nous avons en Afghanistan. Mais il y a deux sortes de la richesse. Les Arabes, les Arabes Saoudites ou l'Iran ou les pays Moyen-Orient, ils ont les pétroles, les capitales très faciles qu'on peut leur découvrir et produire. Mais l'Afghanistan est un État pauvre, mais leur richesse, malheureusement, n'est pas très facile de l'exporter ou produire ou facilement faire le contrat avec les autres pays. On a entendu comme tous les autres, mais on n'est pas vraiment sûr que est-ce que c'est vrai ou sûr ou non. On a entendu que l'Afghanistan a une richesse à peu près de 3 trilliards de dollars. Mais on est vraiment pas assez sûr sur ce chiffre. Bien sûr, moi je viens d'une vallée qui s'appelle Panjshir. Dans la vallée du Panjshir, vous avez l'Émirat. Et dans la province de Badakhshan, à côté de la Chine et du Pakistan, vous avez l'or et des autres matières premières. En Helmand, où nous avons les soldats anglais et les Américains, nous avons d'autres matières premières et dans le sud d'Afghanistan. Mais concrètement, ma génération n'avait eu jamais atteint à cette matière première qui peut produire de l'Afghanistan, qui peut le vendre pour les autres pays, qui puisse amener la stabilité économique ou politique ou sociale en Afghanistan.
Oui, monsieur Ahmad Shah Farid. Monsieur Abdel, vous avez d'autres questions? Oui, non, en fait, D'autres, merci. J'ai si vous très apprécié voulez, si vous voyez que certains points, vous voulez le développer aussi, Abdel, vous pouvez, hein. Oui, non, oui, je remercie, j'ai très bien compris. Il m'a parlé de stratégie militaire, j'ai très bien compris, mais il n'a pas exclu qu'il y avait des richesses souterraines. On peut imaginer que les pays sont aussi intéressés par ça. En tout cas, les pays comme les Américains et les autres puissances étrangères, qui ont toujours voulu déstabiliser l'Afghanistan, et qui le font très bien. Monsieur Farid? Oui, j'entends pas très bien. S'il y a eu la question, pas très bien entendu, excusez-moi. En fait, ce que je voulais dire, si, en fait, je sais pas si vous m'entendez, j'ai très bien compris votre réponse. C'est une raison stratégique, militaire, la présence de ces pays qui ont toujours voulu exploiter l'Afghanistan et la déstabiliser, comme la Russie, les Américains, ça on la connaît l'histoire. Mais il y a aussi, vous n'avez pas exclu qu'il y avait des richesses importantes où on pourrait soupçonner que tous les problèmes de l'Afghanistan aujourd'hui, et que les puissances étrangères sont intéressées, c'est qu'il y a une richesse dans les sous-sols de l'Afghanistan qui n'a pas été encore exploitée, mais où on commence à vouloir s'y intéresser. C'est la richesse de l'Afghanistan, Monsieur Ahmad Shah Farid, qu'Abdel, pour la deuxième fois, il pose la question. Il dit, l'Afghanistan, on dit, il n'y a rien, mais on le sait, qu'Afghanistan, c'est un pays plein de richesses cachées. C'est pour ça, le monde entier, qu'il soit l'Amérique ou d'autres pays, toujours il avait le don, l'œil pour l'Afghanistan, pour être dedans, pour pouvoir exploiter cette richesse. Je vais vous partager une des exemples. En 2005-6, le gouvernement d'Afghanistan voulait exploiter le mine, un des mines dans la province de Logar. Je ne sais pas si vous entendez. À l'époque, tout d'abord, M. Karzai avait commencé avec leur lobbying qu'il avait eu aux États-Unis. Mais M. Bush, il avait dit clairement que nous n'avons pas besoin à votre mine Logar. Et deuxièmement, ils ont commencé avec la Chine. Bien sûr que il y a une richesse. Je n'ai pas dit que non, nous n'avons pas. Il y a une richesse, mais une richesse au sein des pays régionaux, pas au sein des pays internationaux. Par exemple, notre richesse, comme j'ai dit tout à l'heure, le pétrole, nous n'avons pas le pétrole comme le Turkménistan ou la Russie ou l'Iran ou l'Arabie Saoudite ou l'Émirat ou le Qatar. Nous avons une mine de pétrole. Tout d'abord, l'exploitation est assez difficile, que le gouvernement autochtone de l'Afghanistan n'est pas capable de l'exploiter. Sur ce point de vue, bien sûr que nous sommes toujours dans le besoin de l'aide des pays internationaux. Et deuxièmement, sur les autres mines, comme j'ai dit, l'émeraude et l'or et des autres dans le sud d'Afghanistan, et nous sommes toujours dans le besoin pour exploiter ou pour utiliser de ces mines, nous sommes toujours dans le besoin et nous avons toujours besoin de l'aide des pays internationaux, des ingénieurs, des spécialistes et des autres possibilités. Mais ça peut être une richesse plutôt régionale. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, que pour Pakistan, c'est un favor. Vous savez que Pakistan, il n'a pas un gouvernement assez fort. Il est toujours plus ou moins dans la crise. Mais Afghanistan peut être un point de très favor pour le Pakistan, que par les mines qui existent en Afghanistan, Pakistan peut l'exploiter dans le moyen terme et pour amener la stabilité sociale et économique au Pakistan. Mais pour l'Afghanistan, il y a une richesse sur laquelle on parle, mais
je ne compte pas sur cette richesse que je compte souvent sur la géopolitique de l'Afghanistan, parce que la géopolitique de l'Afghanistan depuis de la 17e siècle et jusqu'à maintenant était le seul point pour lequel nous sommes toujours dans la crise et dans la guerre. Merci, monsieur Ahmad Shah Farid. Nous sommes avec monsieur Ahmad Shah Farid, mes chers amis. Comme vous le savez, il y a 17e anniversaire de l'assassinat de commandant Massoud, grand combattant d'Afghanistan. Alors, ses amis sont toujours là. Pourtant, une partie de ses amis s'était entrée dans le gouvernement de Karzai. Une partie était assassinée. Une partie était exilée. Mais toujours l'idée de commandant Massoud existe. Cette idée va faire face à toutes ces menaces-là qu'a Afghanistan eu lieu pendant toutes ces années-là. Et nous sommes avec monsieur Ahmad Shah Farid, un des proches de commandant Massoud, et vous pouvez poser vos questions. Restez avec nous, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présentée par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Alors, avant de dire au revoir à notre ami Abdel, dernière question, monsieur Abdel. Oui, merci monsieur David pour avoir. Moi, je suis passionné de ce pays et merci d'avoir invité un monsieur comme celui-ci qui peut répondre à la question. Alors, j'ai une question qui m'a toujours préoccupé. Est-ce que vous pensez, vous, que monsieur Amin Karzai, c'est Karzai, c'est ça le... Oui, Hamid Karzai, c'était. Voilà. Est-ce que c'était un homme de paille des Américains ou c'était vraiment un vrai président de l'Afghanistan? Merci Abdel. Je vous dis au revoir et monsieur Ahmad Shah Farid va vous répondre. On va laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais vous avez d'autres questions, monsieur Abdel? Non, merci monsieur David. Merci. Bonsoir et au revoir. Voilà, mes chers amis, je précise que nous sommes avec monsieur Ahmad Shah Farid, un des proches de monsieur le commandant Ahmad Shah Massoud et Ahmad Shah Farid. Voilà, vous voyez. Et le 9 septembre, ça fait 17 ans de l'assassinat de ce commandant indépendant, on le disait un Che Guevara. Mais à mon idée, il est resté assez longtemps courageux, bien sûr, comme Che Guevara, mais il a consacré sa vie pour son pays et jusqu'au dernier jour de sa vie. On a dit beaucoup de choses à ce sujet depuis que nous sommes avec M. Ahmad Shah Farid. Il y a certaines questions qui ont resté sans réponse, mais il est toujours là. Il va nous répondre, mais en même temps, même vous, si vous avez des questions, vous pouvez poser en composant le 08 92 23 95 20. Alors, M. Ahmad Shah Farid, concernant la dernière question d'Abdel, je crois que vous avez entendu, n'est-ce pas? Exactement. En 2004, c'était la première fois que j'ai voté. À l'époque, j'ai voté pour M. Kanouni. Kanouni était un des proches du commandant Massoud, était un des fondateurs... Ministre de la Kanoun aussi, ministre de la Justice. Il était. non, il n'était pas le ministre de la Justice. Mais intérieur, non? Kanouni,
canonique, exact. Antérieur, oui. Et puis le ministre de l'Éducation. Il était au début le chef de la bonne première en Allemagne et est un des fondateurs du gouvernement actuel, un des proches du commandant Massoud, était un des savants politiques de l'Afghanistan, sur qui on compte beaucoup. En 2004, je votais une fois pour lui parce qu'elle était, il y a eu l'élection. C'était la première fois que nous avons vu nos célébrations de la démocratie ou de l'élection en Afghanistan. Nous avons quatre candidats, M. Kanouni, puis Karzai et Makab de l'ethnie de Hazara et M. Général Dossoman des chefs de guerre, on le considère plutôt comme le seigneur de guerre. Nous avons eu beaucoup de candidats, mais il y a eu quatre candidats plus connus en Afghanistan. Moi, personnellement, j'ai voté pour Kanouni. Et l'élection que nous étions avec le peuple, j'ai parlé avec les gens à l'époque, je travaillais dans une hebdomadaire à Kaboul, je suis allé plusieurs fois dans certaines provinces, je voyais que la plupart des gens votent pour M. Kanouni. Mais un ou deux mois après de l'élection, le résultat a été annoncé par les médias, comme quoi que voilà, au contraire, M. Karzai a été élu. Et bien sûr, sur cette question, je suis très blanche avec vous, qu'il n'y a pas d'autre argument, que c'était les Américains, il n'y a eu pas d'autre raison. Ils ont fait des triches, ils ont amené M. Karzai, ils ont nommé Karzai comme le président d'Afghanistan. Vous savez qu'en 2001, 2003, 2004, en Afghanistan, nous n'avons eu pas de la crise, la guerre, et les talibans étaient toujours en fuite. Ils ont parti au Pakistan, ou en Arabie Saoudite, en Émirat, et même en Iran. Donc, Afghanistan était dans une instabilité plus ou moins, comme quoi que l'Afghanistan, on pensait à l'époque, voilà, la guerre était finie. Donc, aller vers la démocratie et la plupart des gens croyaient que voilà, les Américains sont venus en Afghanistan pour stabiliser la paix permanente en Afghanistan, pour construction les infrastructures d'Afghanistan, les armées, l'éducation, les droits des femmes, etc. Mais c'était l'élection 2004 que j'ai bien vu que non, les Américains sont venus en Afghanistan pas vraiment pour stabiliser la paix et la stabilité en Afghanistan, mais plutôt pour leur faveur militaire ou politique ou économique qui utilise de la géopolitique d'Afghanistan. C'était la première fois que j'ai bien entendu, parce que je suis allé souvent chez M. Kanouni, j'ai entendu qu'un des politiciens qui était très proche avec M. Kanouni, il m'avait dit directement qu'un des jours que j'étais là, et M. Khalilzad était le représentant spécial, à ce nom-là, le représentant spécial des États-Unis en Afghanistan. Et puis, il est devenu l'ambassadeur du USA en Afghanistan. Il lui a dit à M. Kanouni que même le 95% du peuple d'Afghanistan vote pour vous, mais nous, les Américains, les stratégies des Américains, et moi-même, je ne peux pas vous accepter comme le président d'Afghanistan. Vous savez que M. Khalilzad est vient d'un ethnie qui s'appelle Afghan ou Pashtun. Pashtun, Afghan, c'est la même chose. Était Pashtun, était proche avec M. Karzai, était un des partisans ou un des lobbyistes des talibans aux États-Unis. Et ils étaient notre ennemi à l'époque de résistance. Ils étaient toujours contre nous. Et même dans la bande de première, lorsque M. Kanouni a voté pour Sattar Sirat, vous
savez que les pays, ils ont Ulus Atalsirat, qui est un des personnages très connus en Afghanistan. Il a eu à peu près 11 votes de la ensemble de la réunion de Bonn, mais M. Karzai, il est élu pour 2 votes. La première était par l'Alliance du Nord, parce qu'il leur a imposé, il faut accepter Karzai, et la deuxième était par les Américains. Mais par ces arguments, bien sûr qu'on peut être d'accord avec vous que M. Karzai et même M. Ahmadzai, dans toutes les élections en passé, ils n'ont pas élu par le peuple, par le vote universel du peuple d'Afghanistan, mais ils sont nommés par les soldats américains, par quelques lobbyings pashtunistes qui sont toujours aux États-Unis, et nous n'avions jamais une élection propre, pure, qui peut être de la part de la volonté du peuple d'Afghanistan en Afghanistan. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, c'est-à-dire M. Khalilzad, l'ambassadeur des États-Unis, il a dit officiellement à M. Ghanouni que jamais vous n'aurez pas président d'Afghanistan. Ça, c'est très intéressant quand Exactement. Et moi, j'étais à l'époque avec un des journalistes. Bon, responsablement, je ne peux pas dire le nom du journaliste. Moi, je suis allé plusieurs fois. Parce que moi, je n'étais pas tout seul à l'époque. J'étais étudiant à l'université et je travaillais avec à l'hebdomadaire du Kabul, au Kabul Weekly. Donc, je suis allé, on est allé plusieurs fois, nous sommes allés plusieurs fois avec les autres journalistes étudiants. Et une fois, nous avons rencontré un des journalistes qui travaillait dans le bureau de M. Khanouni. Et il nous en a dit que pourquoi vous venez toujours ici, pourquoi faire, qu'est-ce que vous voulez entendre. On a dit, bah, pour notre vote, on a voté, et après, vous savez que le résultat est au contraire. Il nous a amené dans une autre chambre, il nous en a dit, je vais vous dire quelque chose, mais ça doit être resté entre nous, il faut pas, ça doit être gardé entre nous, il ne faut pas le dire aux autres. Et il nous en a dit clairement que j'étais dans cette réunion et Khalilzad était assez fâché contre Khanouni. Il lui a dit que moi personnellement, je ne peux pas, je ne vous accepte pas comme le président d'Afghanistan. C'est fini maintenant. Il y a M. Karzai, est un personnage bien accepté, admirable, acceptable pour l'IEC. Et il est le président d'Afghanistan. Donc, on l'accepte comme le président. Vous devez continuer votre combat politique en Afghanistan. Et même il lui a menacé, même Khalilzad lui a menacé que vous êtes libre. Si vous voulez faire la guerre, allez-y, vous faites. Donc, c'était la raison qu'ils ont dit, bon, vous savez qu'à l'époque, un an ou deux, trois ans en avance, nous étions dans une guerre assez compliquée qui est dirigée par ces personnages des États-Unis. Donc le peuple était et notre région de la résistance était assez fatiguée de la guerre. Nous ne pouvions plus recontinuer la guerre ou déclarer la guerre contre les Américains. Et c'était la raison que Maréchal Fahim, M. Khanouni et les autres figures de la résistance, ils ont accepté cette injustice pour que, voilà, que la guerre civile ne soit pas rééclatée en Afghanistan. M. Khanouni, il est où actuellement ? En Afghanistan ? Il est en Afghanistan. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en opposant. Il est en opposant, il est toujours en opposant depuis 2004. Il était une fois le président du Parlement d'Afghanistan pour 5 ans. Et puis, il est devenu le représentant du Kaboul. Et après le mort ou l'assassinat du maréchal Fahim, il est devenu le vice-président à la place du maréchal Fahim.
Puis nous avons le gouvernement de M. Abdullah et Ghani Ahmad Zaï. Il est toujours à sa maison. Il fait les activités politiques. Ils ont une alliance assez forte avec les autres. Ils sont en train de préparation de l'élection. Mais pour le moment, ils n'ont pas un unique candidat pour l'élection d'avenir. Alors, Abdallah, qui était un des proches du commandant Massoud aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il a changé de camp, il n'est plus avec Kanouni et tout ça? Non, au contraire. Vous savez que dans les élections de 2014, nous avons voté tous pour Abdallah. Dans le premier tour, M. Abdallah a eu 47% de vote. Mais après, nous avons entendu, nous avons su la vérité par le service secret d'Afghanistan. M. Nabil est un figure de Pashtun. Il lui a dit lui-même que dans le premier tour, M. Abdallah a été élu comme le président. Il a eu à peu près 57% de vote dans le premier tour. Puis ils ont fait le engineering, les élections de l'Afghanistan, et ils ont fait le, comme toujours, le triche. Et après, vous avez entendu bientôt la voix de M. Amar Khel, étant des proches de M. Ghani Ahmad Zaï, qu'il a été accusé avec beaucoup et plein de documents qu'il a fait la fraude dans les élections. Mais il est toujours à Kaboul. Avec était un des conseillers de M. Ghani Ahmad Zaï. Bon, nous avons tous voté et dans le premier tour, il a eu 43, comme nous avons entendu par les médias, et M. Ahmad Zaï a eu 32. Et dans le deuxième tour, M. Abdallah a eu à peu près 43 ou 44, et Ghani Ahmad Zaï, une fois comme un miracle, a eu le 55% des votes. Malgré que tous les partis politiques, même les Pashtuns des Durrani, ça veut dire les Pashtuns qui étaient avec le Zahid Shah, le roi d'Afghanistan, ils ont tous voté pour Abdallah. Dans le deuxième tourne, le frère de M. Karzai, l'ethnie d'Azara et le Tadjik, et même les partis ouzbeks et M. Sayaf et le sud-est de l'Afghanistan, ils ont tous voté pour Abdallah, mais le résultat était pour le M. Ghani Ahmad Zaï. Je voulais dire que dans toutes ces élections, nous étions toujours témoigne à une fraude qui a été organisée par les Américains, plutôt par les Anglais et par les Pakistanais ou par le service secret du Pakistan, plutôt en Afghanistan. Ils ont amené un figure qui ne soit pas Tadjik, qui ne soit pas Hazara, qui ne soit pas un Ouzbéko, un des autres non-Pashtuns ou Afghans. C'est leur faveur actuellement, ils ont accepté, et ça, c'est leur modèle de colonialisme moderne pour l'Afghanistan, qui accepte, qui disent qu'un des Pashtuns doit être le président de l'Afghanistan. C'est le modèle américain et que, contre lequel nous sommes toujours dans le combat et nous sommes toujours en opposition. Et vous savez que de Kaboul jusqu'à Paris, à Berlin, nous sommes toujours en manifestation et nous manifestons contre cette fraude et contre cette injustice et contre ce gouvernement de pashtunistes et talibanistes. Et le rassemblement du 9 septembre est aussi contre ce gouvernement et cette alliance. Sur M. Abdallah, malgré que nous avons voté pour M. Abdallah, il était le porte-parole de commandant Massoud, était très proche avec commandant Massoud. Moi, j'étais ici à Paris. Le peuple, la majorité, ont voté pour Abdallah, mais il n'est pas vraiment bien volonté, ou je peux dire plutôt
ils n'étaient pas capables de prendre le droit du peuple, les gens qui ont voté pour Abdullah. Il acceptait tout ce que Ghani Ahmad a dit. Vous savez que dans l'élection de 2014, nous étions dans une crise, nous étions presque dans une guerre civile. Et après, M. Abdullah Kanouni et les autres, ils ont accepté le résultat de fraude. Et puis M. John Kerry, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, sont venus en Afghanistan. Ils ont fait un gouvernement d'alliance nationale. Mais le gouvernement d'alliance nationale n'a eu aucun aboutir à rien du tout. Il y a eu un gouvernement pachtouniste. M. Ahmadzai était le président et Abdullah devenu le chef de l'exécutif, un modèle qu'on n'a jamais vu dans le monde. Puis Abdullah ne pouvait plus vraiment ce que les gens demandaient. Et c'est pour ça que M. Kanouni est maintenant en opposante contre les deux. Oui, alors de toute façon, M. Khalilzad, l'ambassadeur des États-Unis, il a donné la réponse clairement à M. Kanouni, comme quoi, comme vous venez de dire, néocolonisation qui va gouverner, jamais un Tadjik, un Hazara, un autre que Pashtun ne va pas être président en Afghanistan à cause de géostratégique de quartier et l'investissement des pays pétrodollars et tout ça. Monsieur Ahmad Shafarit, pour que nos auditeurs comprennent mieux, c'est quoi la différence entre Pashtun et d'autres ethnies que vous venez de citer? Et leur conflit historique, c'est quoi? Surtout que j'ai précisé que au mois de septembre 2001, quand Ahmad Shah Massoud a pris contact téléphonique avec Mullah Omar pour la paix, pour installer la paix en Afghanistan, le lendemain, au lieu de donner une réponse positive à cette proposition de Sahar intéressante, il a dit vous pouvez aller libérer Tadjikistan et les Ouzbaks sortent d'Afghanistan et Hazara, etc. Mais pourtant, l'Afghanistan, c'est un pays qui y a plusieurs ethnies dedans, même comme vous venez de dire, les non-Pashtuns, ils sont en majorité en Afghanistan. C'est quoi ce conflit d'ethnies en Afghanistan? Puisque nos amis qui nous écoutent, ils ne sont pas au courant, vous voyez, ce serait bien de donner un schéma de ce conflit, s'il vous plaît. Oui. Et vous savez que depuis le premier roi de Khorasan, Monsieur Ahmad Shah Abdal, c'est toujours Ahmad Shah Abdal, c'était le premier roi pashtun de Khorasan. À l'époque, le nom du pays était Khorasan. Il était le premier roi du pays, de l'ethnie pashtun, qui est arrivé au pouvoir. Et puis, à cette époque, ils ont changé le nom d'Afghanistan, le nom de Khorasan au Khorasan, K-H-O-R-A-S-A-N. Ils ont changé le nom du pays. Pays de soleil, voilà. Khorasan ou Khorasan, c'est pays de soleil. Exactement. Oui. Pays du soleil. C'était un nom très favorable pour l'Afghanistan, pour un État multiculturel, multi-ethnie, multi-tradition, multi-religion. Puis ils ont changé le nom de ce pays, ils ont nommé le territoire, l'ensemble de territoire, l'Afghanistan. Afghan, c'est un des ethnies de ce pays. Pashtun considère Afghan. Afghan, Afghana, Afghana, Aouran, Pakhtun, Patan, Pashtun sont tous pareils. Donc ils ont nommé, ils ont changé le nom de l'Afghanistan. Et bon, il y a à peu près 260 années que l'ethnie pashtun a le pouvoir en Afghanistan. Nous avons eu trois fois le pouvoir, je parle de l'ethnie tajik,
Une fois Monsieur Habibullah Kalakani avait pris le pouvoir de Amanullah Khan, le roi d'Afghanistan, et deuxième fois était à l'époque de la Russie en Afghanistan, que Monsieur Babrak Karmal avait pris le pouvoir pendant 7 ans. Et la dernière fois, c'était Monsieur Rabbani. Rabbani, qui est un Tadjik de Badakhshan, du côté du nord-est de l'Afghanistan, du côté de la Chine, du Tadjikistan et du Pakistan, est un professeur de l'université, est un savant, est un musulman modéré. Il a été assassiné. Exactement. Il a été assassiné par des talibans à Kaboul, dans un intrigue qui a été fait par le chef service secret actuel d'Afghanistan, s'appelle Stanikzai. Je reviens sur mon point de vue. Le Pashtun ne partage pas le pouvoir politique avec les autres ethnies en Afghanistan. Vous savez que dans l'élection de 2014, Monsieur Dostum, au général Dostum, il était avec Monsieur Ghani Ahmadzai. Et le frère du commandant Massoud, Ahmadzia Massoud, il était aussi avec le Monsieur Ahmadzai. Mais le frère du commandant Massoud, il était allé rejoindre avec le Ghani Ahmadzai pour empêcher la division de l'Afghanistan. Il lui a dit concrètement que si je ne suis pas allé avec le monsieur Ghani Ahmadzai, tout le monde était avec Abdullah et l'Afghanistan puisse facilement diviser. Même malgré que pour ces raisons ils sont allés avec Ghani Ahmadzai, vous avez vu qu'après l'élection, ils ont fait une propagande contre le vice-président de l'Afghanistan, contre le général Dostum qui était le chef de l'ethnie ouzbek. Il était en exil pendant presque 2 ans en Turquie, et ils ont fait un deuxième intrigue ou propagande ou collusion contre Monsieur Ahmadzia Massoud, le frère du commandant Massoud. Il est abandonné de pouvoir, il était obligé de démissionner. Et le pouvoir devenu purement un pouvoir pashtuniste. Vous savez qu'en origine, Abdullah aussi est un pashtun, mais peu importe qu'il était proche du commandant Massoud. Mais ethniquement, il vient du Kandahar, étant des pashtuns. Mais bon, ça, ce n'est pas très important pour nous. Mais pour nous, l'important, c'est l'idée de l'Afghanistan, l'idée de stabilité de l'Afghanistan, d'amener la paix permanente. Nous étions d'accord avec M. Abdullah. Mais vous voyez que M. Ahmadzai, il n'est même pas d'accord avec un deuxième figure du Pashtun, parce que Abdullah, tout d'abord, il était un des proches avec du commandant Massoud. Deuxièmement, il vient d'un autre tribu de Pashtun. Vous savez, contre les Pashtuns... Sa mère est tadjik. Exact. Ouais. Sa mère est un tadjik du Panjshir, son père est un Pashtun du Kandahar. Mais je ne sais pas, bien sûr que vous avez entendu qu'il y a des conflits toujours entre les Pashtuns aussi. Nous avons les conflits d'Irani et des Rolgjaï. Dorani sont des Karzai et le roi d'Afghanistan et le premier roi d'Afghanistan, Monsieur Amanullah Khan, Abdurrahman Khan, Habibullah Khan et Zahir Shah et son père, ils sont tous Dorani. Et Monsieur Amin, qui était un des figures de la soviétique en Afghanistan, et Taraki, et Monsieur Hokmadiar, le boucher de l'Afghanistan, Mullah Omar et Monsieur Ghani Ahmadi, ils ont tous Ghaljai. Ghaljai, c'est un autre tribu du Pashtun qui sont plutôt dans le est-sud d'Afghanistan, dans le Paktia, proche du Pakistan. Mais ils sont toujours dans leur conflit aussi. Ils n'acceptent pas la démocratie, ils ne respectent pas le vote du peuple, ils ne partagent pas le pouvoir politique, économique avec les autres ethnies en Afghanistan. Ils ont un prétexte, comme vous voyez actuellement les talibans. Et pourquoi 17 ans après, nous sommes toujours dans la crise et nous sommes
toujours dans une guerre assez compliquée et nous ne pouvons pas réussir à chasser les talibans. Une des raisons, c'est que les figures talibanistes sont au pouvoir. Vous savez que M. Ghani est un Pashtun, un Ahmadzai, lorsqu'il était le chef de désarmation de l'Afghanistan, il a libéré des centaines de talibans. Il lui a dit, il l'avait dit directement à Kandahar dans la campagne électorale. Donc, et actuellement, nous avons au moins des 4-5 000 prisonniers des talibans, mais ils libèrent des talibans pour les raisons de l'Eid, de Nowruz, mais par n'importe quel prétexte, et ils sont toujours dans la réconciliation des talibans. Les talibans sont toujours à Kaboul. Ahmadiyar, pour être l'exemple, l'ancien ministère des Affaires des étrangers des talibans est à Kaboul. L'ambassadeur du Pakistan, des talibans au Pakistan est à Kaboul. Et lui-même, c'est proche, et il soutient directement des talibans. Du coup, je voulais dire que les frères pashtuns, les compatriotes pashtuns, ou plutôt pashtunistes, les figures politiques, ils n'ont pas encore accepté que les autres ethnies en Afghanistan aussi ont le droit de gouverner l'Afghanistan. Ils disent que non, nous sommes toujours au pouvoir et c'est notre pays, c'est l'Afghanistan et Tadjikistan. Le Tadjik doivent quitter l'Afghanistan, les Hazaras aussi, les Ouzbeks aussi, c'est notre pays et c'est notre territoire et c'est nous qui gouvernons. Si vous ne nous acceptez pas, alors dégagez et sortez de l'Afghanistan. C'est leur parole d'un des leaders d'une grande partie de l'Afghanistan, s'appelle Ismail Youn, sa femme étant une des représentante dans le Parlement d'Afghanistan. Il parle directement comme si on parle à cette façon en Europe, ça considère comme le nazisme, comme fascisme, comme chauvinisme. Voilà, il faut qu'on passe quelques jours en prison, mais en Afghanistan, sous un régime démocrate, sous un régime qui soutient par l'Occident, mais les gens existent qui soutiennent directement des talibans parce qu'ils ont les liaisons pashtunistes et ils disent directement, ils insultent les autres ethnies en Afghanistan. Et vous savez que la semaine dernière, nous avons vu qu'ils ont mis un bombe dans un école des chiites, ils ont tué des centaines et ils ont blessé des centaines d'autres personnes. Mais si on pose la question de la sécurité et de le conseil de sécurité en Afghanistan, il n'y a personne qui accepte la responsabilité. Ils disent voilà, nous sommes dans la guerre. Mais pourquoi nous sommes dans la guerre? Pourquoi vous ne partagez pas les ministères, le ministère de la Défense ou de l'Intérieur ou le service secret avec les autres ethnies qui sont capables d'amener la paix en Afghanistan? Donc, sur ce point de vue, c'est tabou, personne ne peut pas parler et les Américains leur soutiennent. Sur ce point de vue, je suis plutôt d'accord avec M. Abdul que les Américains soutiennent directement des figures pashtunistes en Afghanistan. Merci pour cette leçon de l'histoire, M. Ahmad Shah Farid. C'est vrai, l'Afghanistan, son nom c'était Haryana avant, et après c'était devenu Khorasan, et après, depuis environ 270 ans, à l'époque de Ahmad Shah Baba, voilà, vous êtes Ahmad Shah Farid, mais Ahmad Shah Baba, il va changer le nom de Khorasan, le nom de Arya, il va le nommer Afghanistan, le nom de son tribu, voilà, tribu afghane qui sont Pashtun en même temps. Alors, Hekmatyar aussi, il est Pashtun alors, n'est-ce pas, Hekmatyar? Il est où Hekmatyar actuellement?
Il est à Kaboul. Il participe dans le gouvernement? Exactement. Dans une réconciliation qu'ils ont fait avec M. Ghani Ahmadzai. Il lui a amené à Kaboul. Il est protégé par le gouvernement. Mais il n'a pas honte que quelques mois avant, il avait dit que voilà, la suicide d'attaque est un acte légal, machro, halal. Oui, c'est un ayatollah, enfin, c'est un mofti. Oui, et M. Ahmad Shah Farid, vous avez parlé de Ismaïlien Pashtun. Yeah. Vous avez Ismaïlien Pashtun et Ismaïlien de d'autres côtés aussi, non, c'est ça? Exact. Ismaïlien est un figure Pashtun et Pashtuniste. Bon, il y a une différence entre Pashtun et Pashtuniste. Hein. Vous savez qu'on ne peut pas accuser tous les ethnies afghanes ou aouranes ou Pashtun. Il y a avec les Pashtun, on a plein de choses en commun. Nous sommes des amis, la famille, on habite ensemble. C'est la richesse de l'Afghanistan plutôt qui donne une définition assez différente. Certains ethnies, tribaux cohabitent depuis des siècles ensemble. Mais après, lorsqu'on parle de Pashtunistes, il y a des figures comme Ghani Ahmadzai, Karzai, Atmar, Khpolwak et M. Okmadiar. Ils ne croient qu'à un régime Pashtuniste et dans le pyramide, qui soit un Pashtun, le leader d'Afghanistan, et le reste doit être obéir d'un Pashtun ou d'un leader ou d'un président Pashtun. Mais le reste, par exemple dans le nord d'Afghanistan, où j'étais le mois dernier, j'ai parlé avec certains gens des Pashtuns. Ils sont pauvres, ils sont des victimes. Ils disent que nous ne sommes jamais d'accord avec les talibans. Qu'est-ce qu'ils font dans le nord? Ils brûlent des écoles, l'agriculture, et ils n'acceptent rien du tout. Ils nous imposent leurs idées, ils nous demandent l'argent, ils nous demandent le zakat ou certaines choses islamiques. Bon, donc par ces raisons, nous ne pouvons jamais non plus mélanger le Pashtun et le Pashtuniste. Ismaïlien est un figure Pashtuniste. Il a une chaîne de télé à Kaboul. Il insulte directement les autres ethnies de l'Afghanistan. Vous savez que dernièrement, le gouvernement d'Ahmadzai a décidé de distribuer l'identité qu'on le dit en Afghanistan, Taskera. Dans le Taskera, il voulait écrire Pashtun, c'est afghan. Vous savez que depuis Ahmad Shah Baba ou Ahmad Shah Abdal jusqu'à maintenant, l'Afghanistan n'a eu jamais une nation unie. Mais M. Ghani Ahmadzai a décidé d'écrire tous afghans. Mais puis, les représentants non Pashtuns ont commencé de manifester d'abord dans le Parlement et puis le peuple et même à Paris, partout dans le monde. Et ils ont fait quoi? Au lieu d'accepter, bon, voilà, Afghan et Pashtun, Afghan, pas de problème. On choisit un deuxième nom pour l'Afghanistan ou on reprend le Khorasan pour l'Afghanistan. Vous savez que le Khorasan est un mot qui n'a aucune liaison avec les différentes ethnies de l'Afghanistan. C'est un adjectif pour l'Afghanistan et en plus c'est un bon adjectif pour l'Afghanistan qui peut être acceptable pour tout le monde. Mais Monsieur Yoon, mais il n'est pas tout seul, il y a des autres aussi. Mais ils ont commencé d'insulter les autres ethnies. Ils ont dit soit vous acceptez, soit vous dégagez de l'Afghanistan, ou soit on vous donne les cartes des réfugiés. Mais vous savez, ils n'ont pas, même pas honte. Depuis des siècles et des siècles, nous sommes là.
si on parle historiquement, nous étions avant nous tous en Afghanistan. Et moi, personnellement, je n'aime pas vraiment parler de cette récitation historique, mais sinon, il y a certains professeurs de l'université qu'ils accusent, qu'ils disent directement que les Pashtuns, les Afghans, c'est une des ethnies des frères juifs qui sont immigrés de l'époque il y a des centaines d'années. Mais malgré tout, ces récitations politiques, mais c'est au contraire qu'ils n'accusent, qu'ils nous disent que vous êtes des réfugiés, vous êtes venus d'Iran, du Pakistan, du Tadjikistan et dégagé de l'Afghanistan, c'est notre pays. Et soit vous acceptez le mot afghan comme l'identité nationale de l'Afghanistan, soit sortez de l'Afghanistan. Vous savez que cette façon de parler, ce n'est pas une façon amicale, de fraternité, de compatriotes. C'est une façon de nazistes, de fascistes, des gens qu'ils considèrent actuellement comme des gens absolument obscurs. C'est une façon de talibanisme. Mais c'est quoi la différence entre eux et entre un naziste qui dégageait les juifs de l'Allemagne? Nous sommes actuellement dans plusieurs sortes de la crise. Il n'y a pas vraiment que la guerre contre les talibans. Il y a les talibanismes et il y a des talibans. Et maintenant, vous voyez qu'il y a des 30 ou 45, entre 30 et 45 groupes de terroristes qui soutiennent par les pays régionaux en Afghanistan. Et la non-stabilité militaire et la non-stabilité sociale et le droit social et que tout le monde n'a pas accès au gouvernement. Il y a plein d'éléments sur lesquels nous avons le problème avec les figures pashtunistes en Afghanistan. Merci, M. Ahmad Shah Farid. Vous savez comment... Vous venez de dire, de toute façon, les gens, ils payent leur ignorance. Si un débat de conscience était éclaté en Afghanistan, le temps, c'était mieux que maintenant, mieux qu'ici maintenant en Afghanistan. Je me rappelle à l'époque, quand Monsieur Mehrabuddin Mastan était mon invité ici, mon ami Didier Deplège, on a proposé de donner des radios, des petits écouteurs de radio aux gens en Afghanistan pour pouvoir écouter certaines émissions, créer des radios, etc., etc. Mais maintenant, après des années, comme vous venez de dire, il y a le satellite, il y a la télévision, mais malheureusement, tous ces médias, au lieu de travailler en faveur de conscience du peuple, de l'union du peuple, ils marchent dans le marché de pétrodollars et néocolonisation qui est le déchireur du pays. Parce que sinon, Pashtun même, c'est quoi Pashtun? Ça veut dire Nour. Nour, ça veut dire la lumière. La lumière, c'était une partie, c'était le nom d'une partie d'Afghanistan d'aujourd'hui. Pakistan, Pakistan, là, c'était très ancien. Et il était le soldat des rois Aryan, le roi de Arya. Il travaillait avec eux sans aucun problème. Mais je crois que le problème, peut-être, M. Ahmad Farid, ça touche la religion. C'est-à-dire, les deux groupes, ils ont deux religions, enfin, ils sont musulmans, mais deux groupements différents, n'est-ce pas? C'est ça qui pose le problème. Oui, oui. Je reviens sur cette question. Mais vous savez qu'en Afghanistan, nous avons... mais bon, depuis Ahmad Shah Abdal, nous n'avions jamais les statistiques concrètes de la population d'Afghanistan. Bon... d'après les chiffres, les statistiques que nous avons au moins 42 ou 43 ethnies différentes en Afghanistan. Des Hazaras, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Gojors, des Balouches, des Arabes, des Pashtuns. Et il y a des autres minorités de Nourestani qui sont les anciens de l'époque de Skandre, de Grand Skandre.
standard qui est resté en Afghanistan. Et Alexandre le Grand, quand il a occupé... Alexandre, qui est resté en Afghanistan, qui sont toujours en Afghanistan, qui ont leur propre tradition, qui est totalement différente, qui... Par exemple, Panchem est à côté du Nouristan, mais Nouristan a sa propre tradition totalement différente avec la tradition, avec la culture du Panchem. Ils sont comment? Nouristan, ça veut dire les pays de la lumière, voilà. Ils sont comment? C'est différent, il est comment? Il est positif ou négatif par rapport de Pachnoun et d'autres ethnies? Nouristan. Ils sont des victimes aussi. Ils veulent aussi leurs droits, mais ils n'ont pas de... la position dans le gouvernement. Ils n'ont jamais, mais moi je parle lorsque les Tadjiks ne sont pas au pouvoir, qui sont la majorité de l'Afghanistan et la plupart du peuple parle farsi, et les Tadjiks sont, à mon avis, après je ne peux pas dire, et ça peut être pas considéré comme un argument de la réalité, parce que je suis un des Tadjiks. Mais comme j'ai dit, comme j'ai vu, j'étais en Afghanistan, le Tadjikistan la majorité de l'Afghanistan. Bon, mais lorsque le Tadjik ne peut pas prendre le pouvoir, et comment Nouristani ou Hazara ou Uzbek, Balouch, Arabe peuvent arriver? Je reviens sur la question que vous avez posée. Afghanistan et dans les années 92, c'était la première fois. C'était la première fois concrètement que nous avons des traces, que nous étions dans une guerre civile. Une des raisons de cette guerre était la raison religion, que nous avions les chiites et les sunnites. Et après les chiites de l'Afghanistan, comme on dit toujours, que si les Hazaras n'étaient pas Hazaras, vous savez qu'est-ce que je viens de vous dire, s'ils n'étaient pas Hazaras, mais ils étaient seulement chiites, est-ce que nous avons maintenant des problèmes ou des défis entre les Pashtuns ou les Hazaras? Ou est-ce qu'il y a eu encore des problèmes d'ethnie en Afghanistan? Parce que nous avons des autres religions en Afghanistan. Nous avons des Hindous, des Sikhs, et nous avons, je ne sais pas, même deux ou trois Juifs à Kaboul, et qu'ils étaient toujours en Afghanistan, même sous le régime de Taliban, et les Hindous aussi. Mais le problème d'Afghanistan actuellement, il n'est pas des problèmes religieux autant que les problèmes d'ethnie. Comme j'ai dit tout à l'heure, que les Pashtuns, ils n'acceptent pas qui partagent le pouvoir aux autres. Sinon, mais le problème, monsieur Ahmad Chafalit, c'est ça, que le problème c'est chiite sunnite. Les Pashtuns c'est des sunnites en majorité, et de l'autre côté c'est tous des chiites ou d'autres. N'est-ce pas? Non, mais monsieur. Mais, bon, après c'est mon avis. Vous savez que monsieur Ghani Ahmadzai n'est pas même pas musulman. Il est un secular, il est un laïc, sa femme est un juif. Il a toujours la faute quand il parle sur l'islam. Nous avons beaucoup de blagues sur lui, on le plaisante toujours. Voilà, il est un musulman, il ne sait même pas des choses très faciles sur l'islam. Mais Karzai aussi, Taraki aussi, Amin aussi, Najib aussi, Zahir Shah, Amanullah, ils ne savaient rien du tout sur l'islam. Bon, en Afghanistan, nous avons beaucoup, je parle de l'Afghanistan. Monsieur Ahmad Chafal, si vous permettez, on va prendre quelqu'un qui va vous poser une question. Il est parti, je suis désolé, vous pouvez revenir. Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi qui viennent. Mais le plus important, c'est ça, malheureusement. Je vais vous confier quelque chose ce soir, monsieur Ahmad Chafal. Je vais vous donner un secret. Je vous donne un secret, c'est en faveur de ce que vous venez de dire.
Vous venez de citer le nom des rois d'Afghanes, comme quoi ils ne connaissaient pas l'islam, mais pourtant il était musulman, il était chef d'un pays musulman. Ça, vous avez tout à fait raison, mais même peut-être qu'il n'était pas pratiquant. Vous savez, ça, c'était le cas de la plupart des chefs d'Afghanistan. Moi, je veux vous confier ce soir, il n'est plus là, Ahmad Shah Massoud, il n'est plus là. Ahmad Shah Massoud était un homme laïque. Pour lui, qu'il soit chiite, sunnite, chrétien, juif, bouddhiste, zoroastrien, n'importe quelle religion, c'était la même chose. Il pensait à être humain seulement. Mais si on voyait certaines paroles, certains actes, c'est pourquoi, puisque autour de lui n'étaient que des musulmans. Et on voit que même à la fin, sa vie s'était pris par des musulmans, c'est-à-dire l'islam, lui-même il le connaissait, l'islam politique il le connaissait bien. Cette guerre-là, il savait que c'était des alibis pour ramener les gens de devenir des imbéciles, comme vous venez de dire. Partout dans le monde, c'est comme ça. Le peuple n'est pas comme les chefs, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, les Pashtuns, pour la plupart, c'est des pauvres gens, ils n'ont rien à manger. Mais de l'autre côté, on profite de cet nombre, de cette ethnie, pour pouvoir rester au pouvoir. Alors Ahmad Shah Massoud, s'il restait, s'il devenait patron de ce pays-là, après toutes ces guerres-là, vous aviez un Afghanistan, comme un pays moderne, parmi tous les pays musulmans, il aurait être exemplaire, puisque Ahmad Shah Massoud, c'est vrai, il était musulman, c'est vrai, il avait respect pour l'islam, c'est vrai, il avait de respect pour les musulmans, mais pour lui, politiser l'islam de n'importe quelle tendance, c'était pas accepté. Mais malheureusement, actuellement, cette guerre, qu'il soit contre Dustom, Monsieur Ismail, à Harat, tous ces problèmes-là, Brabani, Hekmatyar, depuis Union soviétique, à ce jour, ce qu'ils ont pu jouer, ce n'était pas seulement l'ethnie, c'était la religion, c'est-à-dire le conflit entre chiites et sunnites. C'est ça, on dit Pashtun, mais puisque la plupart des Pashtuns, c'est de sunnites, c'est vrai, ils n'acceptent pas. Moi, je me rappelle M. Ahmad Shah Farid à l'époque, puisque vous venez de dire, Babrak Karmal, il était de l'autre côté, comment ils ont exécuté, ils ont tué Babrak Karmal. Et cette et guerre, ça continue jusqu'à maintenant. Chaque jour, il y a des attentats en tous les gens. Et la plupart de ces gens-là, qui sont victimes des attentats, c'est de l'autre côté, comme vous venez de dire. C'est-à-dire, c'est le côté qui va virer la majorité de population d'Afghanistan, de l'Afghanistan. Ils font des actes terroristes. Ils tuent les gens depuis déjà 40 ans, depuis l'Union soviétique à ces jours-là. On n'a pas oublié Kaboul, comment il était détruit à l'époque. Tout ça, malheureusement, on utilise la religion parmi le peuple. Burqa et la pression sur les femmes, c'est l'exemple. Mais Ahmad Shah Massoud, s'il restait vivant, s'il était là, si c'est lui qui gérait le pays, le cas n'était pas comme le cas d'aujourd'hui, qu'après des années, encore, comme vous venez de dire, c'est l'islam politique qui est en pouvoir, c'est la République islamique d'Afghanistan, et c'est la guerre interne et les attentats aussi, c'est à cause de l'islam, de tendance islamique, monsieur Ahmad Shah Farid. Oui, excusez-moi, je suis d'accord avec sur certains points avec vous. Si on dit que voilà, la raison actuelle, c'est l'islam, parce que nous avons la guerre, c'est l'islam le problème. Bah, dans ce cas, il faut qu'on compte sur ce point de vue aussi que avant de 1980, le peuple d'Afghanistan était aussi musulman. Et nous avions un peuple musulman, et vous savez que depuis de Mohammed ou de Omar, le 12e calife de l'islam, Afghanistan est un État musulman depuis des siècles. Bref, bien sûr que pendant le djihad, pendant la guerre contre les soviétiques, le vrai moyen pour faire la guerre,
pour continuer la guerre et pour arriver à un succès qui était capable de chasser les soldats soviétiques de l'Afghanistan, était l'islam. Ça, c'est sûr, et je suis sûrement d'accord avec vous. Et après, je parle après la guerre, vous savez que Massoud était un Charikar. Charikar, c'est la province 60, à peu près 60-70 kilomètres distance de Kaboul. Mais il y a Massoud et Okmadiar. Malgré que nous avons les autres ethnies qui soutenaient directement ou indirectement par l'Iran, nous avions M. Mazari, Akbari, Anvari et les autres chefs du parti chiite, mais la guerre a été éclatée entre Okmadiar et commandant Massoud. Vous voyez que les deux sont les deux sunnites. Hekmatyar était en Iran à l'époque et c'est Iran qui soutenait Hekmatyar. Non, Hekmatyar, vous savez qu'il avait des bureaux, il était en Iran à l'époque. Il avait des sièges, et comme aujourd'hui, Iran, il soutient Al-Qaïda, Taliban, et il soutient de l'autre côté aussi. Et c'est-à-dire qu'il joue partout. Comme Arabie Saoudite aussi, il joue partout. Oui, lorsqu'on dit Iran ou Pakistan, responsablement, qui ne soit pas simplifié, on dit le gouvernement d'Iran et le service secret du Pakistan. Bien sûr, bravo. L'Iran en général. Même dans la guerre civile, Okmadiar soutenu par l'Iran parce que le commandant Massoud n'était jamais, comme on a dit tout à l'heure pour la question de M. Abdul, qui n'était jamais d'accord pour les soldats étrangers. Quoi que ce soit, l'islam, soviétique, américain, français, allemand, n'importe. Il n'était jamais d'accord avec les soldats étrangers de l'extérieur. Et au début, Massoud, il n'était non plus d'accord avec les SOPA. SOPA, les soldats spéciaux du gouvernement d'Iran. Et c'était le point sur lequel entre Massoud et le gouvernement d'Iran a commencé d'être en opposant, d'avoir des problèmes. Bon, ils ont commencé de soutenir le monsieur Okmadiar. Je reviens sur le premier point, que Massoud était à Parwan, dans la province à côté du Kaboul, au Charikar. Massoud, il a parlé par le Bissim avec Okmadiar. Il lui a dit que vous savez qu'en Afghanistan, nous avons de plusieurs ethnies différentes. Nous avons de plusieurs chefs des partis différents, des religions différentes. Et heureusement que nous avons ce document qui a été pris par Christophe Dupont-Fly, un des journalistes très connus de la France. Massoud, il a parlé très démocratiquement. Il lui a dit que, bon, il faut aller faire un gouvernement qui soit acceptable pour toutes les parties politiques. Bon, par cet exemple, je voulais dire que la guerre a été éclatée entre les deux chefs de deux partis sunnites. Et puis, bien sûr, après, quand la guerre a été éclatée, les chiites est devenu, ou la religion chiite, est devenue un des capacités pour créer la crise, devenu un des moyens pour faire la guerre. Et puis, Iran a commencé directement à soutenir des partis des chiites en Afghanistan. Et même maintenant, il y a certaines des chaînes de télé qui soutiennent directement par le gouvernement d'Iran. La religion était une des capacités deux sectes chiites sunnites étaient les deux capacités pour la guerre civile en Afghanistan, mais pas autant que nous avons le problème des ethnies en Afghanistan. Merci. Ce soir, nous avons consacré notre émission à
commandant Ahmad Shah Massoud, grand héros afghan, personnage qui a donné sa vie pour la libération de son pays. Commandant Massoud qui était venu ici à Paris. Après, c'est vrai, pour répondre à notre auditeur qui vient d'appeler, il a voyagé en France aussi. Mais malheureusement, à l'époque, l'État français et l'Europe n'ont pas tenu compte de la capacité de commandant Massoud pour l'installer la paix en Afghanistan. Et une fois qu'il est retourné, il a donné un discours assez important à l'hôtel Méridien de Montparnasse, commandant Massoud à l'époque, et l'espoir qu'il avait pour l'Afghanistan, un Afghanistan laïque et progressif, qui respecte toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les pensées, et la liberté pour l'homme et pour les femmes, égalité femmes-hommes. Mais malheureusement, il a été assassiné par un groupe qui, comme M. Ahmad Shah Farid aussi l'a dit, n'a pas été jugé. Cette groupe qui était très lié de Paris jusqu'à Belgique, jusqu'à Londres, les islamistes étaient dans le coup. Et certains médias, ils avaient des cartes, des journalistes, certains médias d'Arabie Saoudite, des Émirats, ces gens-là, c'est une longue histoire. J'espère qu'un jour on va parler à ce sujet. De toute façon, c'est le 9 septembre qui est la journée internationale, on peut dire, de commémorer le souvenir de commandant Massoud, et vous serez au Trocadéro. Comme dernière question, dernier propos, dernière parole de votre part, je vous laisse choisir, monsieur Ahmad Shah Farid, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, il y aura beaucoup de personnalités qui vont venir de partout dans le monde le 9 septembre à Paris, c'est ça? Exactement. Je voulais juste vous partager que nous avons quelques propositions le 9 septembre à la place de Trocadéro. Nous allons parler sur la lutte contre les talibans et le talibanisme. Je crois que le talibanisme, pour donner une réponse à votre question, lorsque nous parlons du talibanisme, c'est l'idée du taliban, c'est l'idée du fondamentalisme, l'islamisme et l'extrémisme et les gens qui pensent qui sont une responsabilité pour cette théorie et pour cette violence qu'on voit toujours en Afghanistan. Et nous allons parler aussi de la justice sociale, c'est le titre de notre rassemblement aussi, parce que ce sont les vrais problèmes de l'Afghanistan. Tant que nous n'arriverons jamais de résoudre le problème intérieur de l'Afghanistan, on ne pourra jamais trouver une solution extérieure qui peut être capable d'amener l'instabilité en Afghanistan. Parce que le vrai problème d'Afghanistan, c'est le problème intérieur. Il y a le despotisme, il y a le discriminisme, il y a la discrimination, il y a le pashtunisme, il y a le fascisme, il y a le sionisme, il y a des figures pashtunes qui n'acceptent personne d'autre que les pashtunes. Ils acceptent les talibans au pouvoir, mais pas un démocrate ou un laïc ou un secular ou un musulman modéré, tadjik ou ouzbek ou hazara. Ce que je voulais dire ici, c'est ma dernière phrase. En attendant aux gens, des camarades français, iraniens, de l'Afghanistan, tous rejoignez à nous au rassemblement le 9 septembre. Vous savez que la guerre contre les talibans ne peut pas être plutôt je peux dire que cette guerre actuelle de l'Afghanistan n'arrivera jamais à une stabilité ou à une réconciliation permanente ou à une paix permanente en Afghanistan tant que vous nous aide pas. Mais quand on dit les aides, c'est pas les aides milliards et milliards de dollars pour des figures pashtunistes.
lorsque nous parlons des aides des pays internationaux, c'est l'aide pour le peuple d'Afghanistan, pour le changement de système, pour stabiliser la démocratie en Afghanistan, pour soutenir les armées, la vraie armée de l'Afghanistan, pas les armées talibanistes, pas les figures talibanistes, pour soutenir les justices en Afghanistan et soutenir des figures, des représentants qui n'étaient jamais dans la guerre et dans le mafia, qui ne sont pas les seigneurs de guerre, qui puissent capables d'aller dans le Parlement d'Afghanistan, qui puissent demander, qui posent la question de ce personnage, qu'est-ce que vous avez fait avec des milliards de dollars que vous obtenez du pays de 2001. Merci, M. Ahmad Shah Khalid. Nous avons besoin de votre aide. Merci, je vous embrasse. Vous allez passer un grand bonjour pour notre ami Mehrabuddin Mastan et sa femme Leïla. Notre ami Qanouni aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu contact avec Qanouni, mais je le souhaite bonne chance aussi si un jour ils nous attendent. On avait beaucoup d'amis afghans qui sont là, qui ne sont plus là. Par exemple, Ramazan Bachardoust, qui peut-être n'est pas dans votre camp aussi, mais lui aussi, c'est un révolutionnaire. Vous êtes encore alors un grand bonjour aussi pour Ramazan, qui était notre ami et notre invité plusieurs fois dans le studio. Et je vous souhaite bonne chance, Monsieur Ahmad Shah Farid, et bonjour pour la famille de Ahmad Shah Massoud. Vous voyez, après des années, souvenir de cette grande combattante pour la liberté, c'est commémoré sous la radio ici maintenant. Et moi, j'étais ravi de consacrer cette émission à commandant Massoud. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, Monsieur Ahmad. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici-et-maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de France depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abbassi a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-6opinion.info. France-6opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20.